Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est chez Lanieri à nouveau à la boutique de Paris, donc 7 rue du Pré-au-Clair dans le 7e. J'ai retenu. Et enfin, du coup, pour la deuxième partie de cette vidéo, mon costume de chez Lanieri a été confectionné. Donc, ça fait un mois depuis la première vidéo, ce qui est à peu près le délai lambda d'attente pour un costume chez Lanieri. Et qui a été livré, du coup, à la boutique de Paris, comme c'était convenu. Donc, on est revenu avec ma caméraman qui a la gentillesse de tenir la caméra en ce moment. On a explosé, on s'est mangé 5 heures de route. Donc, du coup, on va pas lambiner plus que ça. Hein. On va aller l'essayer tout de suite et on va voir ce que ça donne. C'est bon, j'arrête mes conneries. Donc voilà. Alors du coup, on a décidé avec les vendeurs de chez Lanieri de faire un costume dans la pure tradition italienne. Donc un dépareillé. On est parti sur un blazer. Hop, je tire un petit peu. On est parti sur un blazer du coup vert à motif. C'est un prince de Galles, oui, merci. C'est un prince de Galles, mais bon, je pense qu'il n'y a que moi qui n'avais pas le nom. Magnifique, hein, il a vraiment un super bon tombé. On n'a pas besoin de faire de retouches. Le tailleur de chez Lanieri a fait un excellent travail, un superbe travail. Ce ne sera pas forcément le cas avec vous, mais ça peut arriver. Je n'ai pas besoin de repriser un petit peu les manches, pas besoin de raccourcir la veste. Elle est vraiment parfaite, elle tombe impeccablement, y compris dans le dos. Je ne sais pas si vous avez pu voir. On voit que la veste tombe bien, c'est-à-dire qu'on commence en commençant par les épaules, donc on voit que l'épaule, la couture arrive bien au niveau de l'os de l'épaule d'Alex, hein, comme on peut voir. D'ailleurs, ça fait un tombé qui est vraiment net, il n'y a pas de surplus de tissu, il n'y a pas de plis horizontaux qui peuvent se créer quand l'épaule est trop large. Là, pour le coup, on voit qu'elle est bien ajustée, parce que vous avez vraiment un tombé de manche qui est parfait. Le cintrage, on voit que la veste est bien cintrée, tout en évitant d'avoir un pli de tension trop important au niveau du premier bouton. C'est normal qu'il y ait un peu de tension, mais il faut éviter de faire des plis en croix, et d'ailleurs on peut très facilement glisser une main à l'avant. Passer la main ? On voit le cintrage. Par rapport à l'aisance ? Mais quand j'ai ici un ventre en S, on voit qu'il y a un petit peu de tension et tu vois, il faut vraiment passer une main quoi, devant. Il faut savoir que les coupes à l'italienne sont bien cintrées sur les côtés, donc on voit que ça suit bien les formes du corps, mais eux, toutes les anses, ils vont la cacher en fait un peu à l'avant et un peu à l'arrière, ce qu'on appelle le quart avant, si tu veux, qui est la partie un petit peu qui se trouve, vous voyez, entre les pinces finalement. Tu vois ici, tu as une petite pince, ouais. Si tu le vois. Si, je le vois. Peut-être qu'en zoomant, tu verras qu'il y a des pinces. En général, le confort, il le cache en quart avant. Donc c'est grâce à ces quarts avant que tu gardes tout le confort devant. On garde toujours, quoi qu'il arrive, un petit peu d'aisance. Pour que tu puisses quand même bouger dans la veste, que tu puisses avancer tes bras. Si par exemple, tu fais du vélo avec tes vestes ou du scooter, que tu aies quand même toujours la possibilité de mettre les bras en avant sans que la veste soit complètement plaquée dans le dos et qu'elle devienne... Oui, c'est complètement le cas. Voilà, hein, ça reste confortable. Il n'y a aucun souci d'aisance. Évidemment, tu ne viens pas faire des séries de traction avec ta veste, parce que c'est pas toi qui fais pour, mais au moins... Non, parce qu'on a laissé... tu sais, on avait réglé par rapport au bracelet, mais j'ai des bracelets que j'ai enlevés. Oui. Donc c'est pour ça que là, vous avez l'impression d'avoir une manche plus grande que l'autre. Mais voilà. C'est voulu, en fait, parce que je porte des bracelets tout le temps au bras droit. Là, je les ai enlevés, j'ai oublié de les remettre pour enfiler les vêtements, mais c'est entièrement volontaire, c'est voulu, parce qu'il y aura toujours des bracelets portés à cette manche. Effectivement, là, comme il n'y a pas mis ces bracelets, on avait prévu une manche un peu plus longue, puisque ces bracelets, ils vont arrêter la manche de la chemise bien avant. De pouvoir, du coup, raccourcir ou élargir une manche, c'est exactement à ça que sert justement le sur-mesure. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas retrouver dans du prêt-à-porter ou dans de la mesure industrielle de mauvaise qualité, ce que ne fait pas Lanieri. Donc on s'était quand même arrêté. Attends, pique pas la. Hein. Méfie-toi, je pourrais te péter la. Là on croirait que, mais en fait. Bon ça va, t'es pas non plus. Ouais, si je fais pareil. T'as 22 ans. T'as les épaules de serpent, il va essayer de nous expliquer le truc. On a fait du coup un blazer, mais également une chemise et un pantalon à pinces, un pantalon de costume dépareillé.
Et tu peux nous en dire un peu plus? Alors, concernant le pantalon, vous pouvez le voir, c'est un pantalon de taille haute. Donc là, ton nombril, il se trouve à peu près là, si je ne m'abuse. Il est là. Donc c'est un pantalon de taille plutôt haute, avec un système de double boutonnage, alors qu'on peut également mettre sur les deux premiers boutons, mais également sur les deux derniers, si on veut que la ceinture soit un petit peu plus serrée. Là, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, parce que le pantalon est en sur-mesure. Il tient tout seul, tu nous le confirmes. Complètement. D'ailleurs, là, vous voyez, elles viennent vers l'intérieur. Tout à fait, ouais. Après, le but est le même que des pinces classiques, c'est de venir apporter un certain confort au niveau de l'assise, hein, surtout, bien évidemment, donc, au niveau du haut de la cuisse. Voilà. Ouais, après, ça fait un look très sartorial, très italien. J'avais envie de le placer. Ouais, du coup, pour l'assise, on a pu le tester juste avant. C'est Alexis qui m'a conseillé de m'asseoir. C'était vraiment, il y a aucun problème. La fourche est quand même placée relativement basse. Oui, c'est ça, basse. Hein. Elle est pas haute. Relativement basse. Du coup, ça fait que je suis vraiment à l'aise autant assis que debout, que même à genoux. Je sais pas ce que je foutrais à genoux, mais c'est bon. Je ne me mets à genoux que pour ma femme. Voilà. Putain, cette phrase, elle est bizarre. Non, je me mets à genoux. Pourquoi on part toujours en couille à la fin des vidéos? C'est comme ça. À la fin des prises. Ce que j'aime bien du coup avec ce pantalon, et j'avais complètement oublié depuis un mois que ça allait être ça, c'est qu'il a vraiment un style qui s'apparente presque au burqa, avec les pinces tournées vers l'avant, comme l'avait dit Marco, et avec la ceinture qui est quand même un poil mastoc. Bon, ça n'a rien à voir avec un burqa, hein, mais ça me donne l'esprit un petit peu burqa. Pas c'est bien fité, donc là, ça, c'est le tissu qui est assez proche de la jambe, mais on garde toujours à l'arrière un peu de confort. Même si visuellement comme ça, quand on regarde, ça ne se remarque pas. Ouais, mais j'ai le même, j'ai la même sensation d'être de me sentir à la fois fit, de me sentir à la fois serré et à la fois complètement confortable, c'est ça. Et ça, c'est une sensation que vous ne pourrez pas retrouver en dehors du sur-mesure, et je dirais même du sur-mesure chez Lanieri. On vient de voir avec Marco les caractéristiques du pantalon, de mon pantalon qui a été fait sur mesure chez Lanieri. Et puis on va voir maintenant la dernière pièce qui n'est pas forcément la plus cotée mais qui est l'une des plus importantes car c'est celle qui est en contact direct avec votre peau, la chemise. Important sur une chemise, le point numéro 1 qu'on regarde, c'est si le col ferme bien. Que le bouton ne tire pas trop non plus parce que là ce pressing soit trop serré. En général, on peut passer un doigt, voire deux. C'est parfait. Sur tout le tour. Donc ça, c'est le premier point important. Il faut également que tu te sentes bien dedans, parce que chacun a sa propre sensibilité. Des gens sur un col qui est juste d'un point de vue technique, ils vont quand même le trouver trop serré, puisque eux, ils ont peut-être d'autres exigences en termes de confort. Quoi qu'il arrive, là, le col tombe bien, tu me confirmes que tu es bien à l'aise dedans. C'est parfait. C'est parfait. Que la couture arrive soit sur l'os, soit un tout petit peu après, mais là, on voit que quand on appuie sur la couture, je suis vraiment sur l'os, tu me confirmes. Ouais, je te confirme. Comme pour la veste, un tombé de haut de manche qui soit propre, qui n'est pas trop de tissu en plus qui n'est pas trop de plis. Donc là, pour le coup, on voit que la manche est bien nette. On peut voir ici, on voit que la poitrine est bien plaquée, mais elle n'est pas trop juste, puisqu'on voit que les boutons ne tirent absolument pas quand tu es en position, on va dire, neutre. Contrairement à la chemise avec laquelle je suis venu. Hein. Bah, du coup, la vidéo touche à sa fin. Je tenais du coup à remercier Alexis et Marco qui sont juste là pour leur accueil, pour votre aide, hein, les gars, tout simplement. Hein. Vous êtes quand même des gars sûrs, on va pas se mentir. Du coup, à remercier également Ricardo avec qui j'ai pu converser et qui m'a contacté pour faire ces vidéos. N'oubliez pas que vous avez le code de CORBAC20 pour avoir moins 20% de réduction sur tout achat de costumes de plus de 795€. Et n'oubliez pas également de vous abonner, de me suivre sur Instagram, alex.cormac. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!